Salut tout le monde, c'est Mangacard ou JCCPKN67. Je dis ça parce qu'en fait, je sais pas si je mets ça sur les deux chaînes. Donc, du coup, normalement, j'aimerais regrouper JCCPKN67. Donc, si elle est sur cette chaîne, voilà, je mets autre chose que du Pokémon à partir d'aujourd'hui. Et donc, on va parler des Miracle Battle Cardass. G-Heroes All-Star, donc avec tous les héros du Shonen Jump. Donc il y a 8 séries. C'est sorti uniquement au Japon. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc c'est un perfect set avec tous les decks, les 3 séries et toutes les promos. Donc voilà, on commence donc à droite avec le deck donc DAS1. Vous pouvez voir, il y a du One Piece et du DB. Voilà, donc il y a une super rare au milieu. C'est un peu galère à filmer un classeur comme ça. Donc la suite à gauche. Et là, on a donc les deux premières Omega. Donc c'est les cartes les plus rares du deck. L'Oméga 1 et l'Oméga 2 du deck DAS2. Là, qui arrive juste ici. Donc là, vous voyez, il y a du Naruto, du Toriko, du DB, du One Piece et du Bleach. Surtout la Ichigo en UR. Voilà, qui se finit ici. Donc ça c'est le deck DAS2. On arrive sur le deck Promo Jump. Donc il y a eu deux decks comme ça. Le premier deck représente des illustrations du manga. Donc en colorisé. Ouais, comme vous pouvez voir, c'est pas fait par ordinateur, c'est vraiment dessiné main. Donc avec du bleach, du DB, tout ce qui bouge. Ici une promo de Goku en Oméga. Ensuite on arrive sur le PJS2. Donc uniquement consacré à Dragon Ball. Voilà qui se finit ici. Ça c'est une carte pub que j'ai gardée qui est super jolie. Ça c'est des rééditions. Donc on passe. Donc les campagnes que j'ai en double, on passe parce qu'on va les voir juste après. Donc ça, campagne en double, UR en double. Et là, on commence sur les promos All-Star. Donc, à 95% du temps, il y a deux versions des promos. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, comme vous pouvez voir, là, il y a une version normale et une version V-Jump. Et les cartes, elles sont brillantes aussi, effet mosaïque, mais on ne voit pas trop bien. C'est un peu galère avec la luminosité. Donc, les promos. Donc il y a aussi des versions règles et des versions gold. Un effet gold. Voilà. Donc ça c'est les promos campagnes qu'on recevait dans la booster box. Donc il y en avait 8. Voilà, toujours pareil. Deux versions aussi là. Gold normal. Encore. Donc les promos. Celle-là, elle est extrêmement dure à trouver. Enfin, même introuvable maintenant, elle n'existe qu'en règle aussi. Donc voilà, il y a du Kuroko aussi maintenant. Donc le promo campagne AS3, donc de la série 3 qu'on recevait dans la booster box. Et ces deux promo campagnes AS3, on les recevait dans des white box. Qui ne sont pas des booster box. Toujours des promos, comme quoi il y a pas mal de promos, hein. Donc voilà, là on arrive sur les dernières promos avec du DB, le Jaco, le patrouilleur et les trois dernières promos, dont la PS63, la All-Star qui regroupe tous les persos. Enfin, tous les gros héros. Et là on commence sur la série numéro 1. Voilà. Donc c'est composé de 8 Oméga que vous voyez là. 12 ultra rares, 30 rares et 60 communes. Alors, si je dis pas de conneries. Donc Omega, il y a Gintama, Naruto, Dragon Ball, Hunter Hunter, du One Piece, du Bleach, du Toriko. Et encore une fois, du Gintama. Kuroko arrive qu'à partir de la partie 3. Donc là, en fait, tous les mangas sont mélangés. Enfin, bon, je suis l'ordre des numéros. Mais donc vous voyez, il y a du Toriko. Il y a juste du Gintama aussi avant. Et après, vous trouvez du Naruto. Du Hunter Hunter en plein milieu. Donc, ça, c'est la partie 1.
Je galère vraiment à filmer, hein. Désolé si ça tremble. Peut-être passer un peu trop vite. Donc, ouais, moi j'avais commencé ça exprès pour les DB et les Bleach. Je suis un grand fan de Bleach. Donc il y en a Sasuke Vegeta en UR, à la gauche. Donc à la base c'est un jeu de cartes, hein. Donc c'est pas juste des cartes de collection, c'est des cartes à jouer. Hop là, on arrive sur la partie 2. Je vais me poser un peu autrement. Partie 2, voilà, donc les 8 Oméga. Donc Goku, Ichigo, Vegeta. On a du Toriko, je sais pas qui c'est parce que je regarde pas. Du Gintama, du Naruto, du One Piece et du Hunter x Hunter. Ça brille juste, il y a des effets gold, des effets ronds. Donc voilà, c'est pareil. Là, ils ont toujours classé un peu dans le désordre. Donc toujours 8 Oméga, 12 UR. Voilà, vous voyez, il y a Ulquiorra juste trop la classe en UR, Grimmjow. Ouais, donc 12 ultra rares. 30 rares et 60 communes comme d'hab. Ça fait pas mal de cartes à collectionner. Donc à la fin, ça fait une sacrée somme quand même. Et là, on arrive sur la dernière partie, donc la partie numéro 3. Voilà donc les 8 Oméga. Donc il y a le Végéto, Kuroko, il y a Sasuke, il y a du Luffy, du Gin, du Gon, du Aizen et du Toriko. Sont super jolis. Et là voilà, c'est ce que je disais. En fait, vous voyez là maintenant à gauche, il n'y a que du DB. Donc ça commence qu'avec les Dragon Ball, ensuite ça continue sur du Kuroko. Il y a du Naruto. Naruto, du One Piece. Il y a du Gintama. Gintama, du Hunter x Hunter. On arrive sur les Bleach. Juste trop la classe. Voilà, focus. Ensuite, on a du Toriko. Je sais plus si j'ai dit, mais c'est toujours la même composition. 8 Oméga, 12 UR, 30 rares, 60 communes. Voilà, hop. Et voilà, c'est la fin. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Likez, commentez, partagez, c'est toujours gratuit. Si c'est sur JCC, ben voilà, je ferai des vidéos comme ça de temps en temps. Parce que voilà, c'est plus simple de gérer une seule chaîne que sur deux chaînes. Donc voilà, ben dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt sur YouTube. Salut!